n'était pas en service à ce moment-là. Il faisait sa pause déjeuner, il ne s'était jamais disputé avec qui que ce soit, il n'a créé aucun problème, il ne faisait que marcher dans la rue. Et dans la vidéo, on voit qu'il marchait librement dans la rue, et là, il a été délibérément touché par une brique, et ensuite, il en est mort. Tels sont les faits que nous avons recueillis jusqu'à maintenant. L'homme est décédé à l'hôpital jeudi soir des suites d'une blessure à la tête après avoir reçu une brique. Cet employé âgé du département de l'alimentation et de l'hygiène de l'environnement aurait été pris entre manifestants et manifestants anti-gouvernementaux dans le district de Changshui alors qu'il était à l'heure du déjeuner. Il est la deuxième personne à être décédée en une semaine d'aggravation de la violence. Les manifestants ont également causé d'importants dégâts dans plusieurs districts et bloqué un tunnel traversant le port.